Donc on repart. Donc t'es énervé. Action. Maintenant tu tires sur vos troupes. Si je tire, ils enverront notre équipe. Daniel, c'est un pilote de drone. C'est quelqu'un qui va être pris en étau dans un dilemme qui va être très difficile de résoudre. Voilà. Et c'est quelqu'un qui pourtant, normalement, est habitué à avoir des solutions pour tout, qui a un sang-froid à toute épreuve, mais qui, dans ces conditions-là, va avoir du mal à savoir comment agir. J'ai dit tu tires. Je peux pas. Si vous voulez bien fermer vos gueules, on fait des trucs sérieux ici. Il y a un moment donné où je me suis dit que c'était pour l'argent. Et quand j'ai vu mon contrat, je me suis rendu compte que c'était pas pour ça que j'avais vraiment choisi ce film. C'est peut-être pour les bananes et les spéculoos qu'on a eu à la lecture. J'ai un petit faible pour ça. Non, bon, plus sérieusement, je crois que c'est surtout parce que j'ai été surpris. Je me suis fait avoir, en fait. Quand j'ai lu le scénario, je suis vraiment tombé dans le truc. Et la fin du film m'a pris au trip. Je me suis dit que c'était assez original comme approche et que ça n'avait pas vraiment été fait jusqu'à présent. Je te promets que ça va aller maintenant. D'accord ? Et puis le dispositif du film aussi, le fait que ce soit un huis clos, c'est assez attirant parce qu'en termes de jeu et de performance et du coup d'amusement sur le plateau. Donc je pense qu'il y avait ça, le dispositif mis en place qui permet une immersion totale dans le personnage. Coupé !